dis bonjour de ma part à César en enfer. Vous pensez que j'étais pas assez rasé, peut-être ? En général, je ne pratique pas le scalp. Mais je peux faire une exception, si vous voulez. Soldats, au rapport ! Nous avons repoussé le commando. Mais certains se sont échappés. Il est possible que ce soit des éclaireurs. Je ne crois pas, non. Ils savaient exactement où nous allions. Et ils avaient prévu de nous stopper. C'est un soldat de la ligne de partage. Il dit s'appeler Ulysse. Ulysse, votre tête est mise à prix, vous savez. Par la Légion, certainement. Avec la RNC, fort probable aussi. Devons-nous le mettre aux arrêts? Non, nous avons hâte de l'amener jusqu'à Vegas, pour sa protection, en vue des nouvelles élections. Depuis quand la confrérie de l'acier combat avec la RNC? Depuis la mort du président Kimball, en même temps que César. Votre arsenal nucléaire sur la ligne de partage a l'air de jouer en votre faveur, Ulysse. Pour la paix dans le Morave. Folks around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. For the stranger there among them had a bigger run on his hip. Bigger run on his hip. Bigger run on his hip. When he tried to max a ranger with the bigger one on his feet. Vous écoutez Radio Free Utopita, qui apporte la vérité aux utopitiens 24h sur 24. Bienvenue. Voici une nouvelle édition de notre chronique Mutant en emporte le vent, avec notre grande amie Tabitha, qui a un message à l'attention de tous les bebeux. Bebeux, il m'a été signalé que certains d'entre vous prenaient trop au sérieux mes avertissements au sujet du bétail de bataille. Si le bétail de bataille représente effectivement un ennemi redoutable, il est de votre devoir de l'affronter avec férocité. Grande amie Tabitha, certains de nos auditeurs se demandent pourquoi vous les qualifiez de bebeux à l'antenne. C'est une bonne question, Rhonda. Merci. En fait, ils sont tellement bêtes qu'ils ne savent même pas que c'est d'eux que je parle en ce moment. Et voilà une autre révélation sur les mutants. Les deuxièmes générations, grands, nombreux, bêtes. On se retrouve après ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Peu importe, attrape n'importe quoi. Et va jeter un œil sur Raoul pendant que tu y es. Et avec nous depuis sa cellule, Raoul Terrada, mécanicien d'élite. Qui risque d'être exécuté à tout moment. Salut Raoul, ou devrais-je dire, oh là.